Vous êtes sur RTL. Vous n'êtes pas président, mais vous serez peut-être bientôt, en tout cas si j'en crois ce qu'on lit dans la presse, ça est là, peut-être bientôt ministre du budget pour remplacer Gérald Darmanin, qui pourrait retourner à Tourcoing ou pareil. Vous avez ces ambitions-là ou pas? Tout ça ne sont que des conjectures ou des rumeurs. Et la politique en général ne se fait pas sur des rumeurs. Mais vous auriez l'envie de le succéder au budget? Vous savez, quand on a la chance, l'immense chance, d'être membre du gouvernement, de servir le président de la République et le Premier ministre, la seule chose qui compte, c'est de faire son travail. Ça n'est pas de regarder ce qui se passera demain. En tout cas, votre mission à la fonction publique est terminée. Le texte a été voté. La mission n'est pas terminée. Il y a 53 décrets d'application. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'après ce vote, après, je l'espère, la validation du Conseil constitutionnel, dès la rentrée, les textes d'application soient pris, que cette réforme soit appliquée le plus rapidement possible. Donc Olivier Dupost qui reste donc secrétaire d'État à la fonction publique était notre invité ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonnes vacances.